Si, passez par, faut passer par là, je pense. Ou après, encore là, si vous voulez. Essayez de... Je suis sûr que... Samedi 26 mars 2022 à Paris. Vous voyez toute cette gendarmerie pour à peine quelques centaines de gilets jaunes. Bon, on n'est pas en Russie, hein? Non, on n'est pas en Russie. En plus, c'est du nassage qui est illégal normalement. Elle est toute derrière les camions de camionnettes de gendarmerie. Il y en avait d'autres qui sont déjà garés. Du côté de la rue Oberkampf allant vers la République. Là, ils arrivent au métro Ménilmontant. Ils sont partis de place c'est de la Bastille vers Nation et ensuite ils ont sont remontés par Père Lachaise et là Ménilmontant.
Et lorsque le camion là-bas, on va planter l'arbre à neiger. Et chaque année, on va venir, comment dire, comment est sa mémoire. Voilà. Inviter sa famille, ses enfants et tout, s'ils peuvent venir avec nous, avec plaisir. Donc, si on est tous d'accord, on va y aller comme on dit par les démarches. Voilà. Aziz, Isabelle. Hein? Isabelle. Qui Isabelle? Celle qui est décédée, là, la chute. Donc, comme on va inviter les et tout, si on peut y aller à la mairie, on va avoir l'autorisation pour le planter là, pour chaque cœur. Il est plus gentil de faire quelque chose. Il adorait ça. Donc, comme il adorait ça, on va y aller à son place. On va porter une arme pour lui. Voilà. Voilà. Pour neiger! Donc maintenant, on va faire une prise de parole. Pareil, sur le même sujet qu'à la sonde, pour si les gens ont des idées pour améliorer le cortège du samedi, que ce soit sur la visibilité ou sur quoi que ce soit. Voilà, on écoute vos idées, donc c'est peut-être un petit peu de la vie. Tu viens au micro. À titre personnel, quand je me balade dans la rue, les gens sont nombreux, mais ont du mal aujourd'hui à se réveiller. Beaucoup nous demandent, mais vous êtes où les gilets jaunes? On vous attend les gilets jaunes. Parce que nous, on sait où on est chaque samedi, et dans l'absolu, c'est nous qui les attendons. Donc à ces personnes, je le répète, n'attendez pas les autres pour prendre votre destin en main, parce que le gouvernement s'en chargera à notre place. Soyez maître de votre destin, soyez maître de votre vie, et n'hésitez pas aujourd'hui à nous rejoindre. En ce qui nous concerne sur la manifestation, aujourd'hui, on est à 10 jours du premier tour. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à la fin d'un cycle. Alors j'entends les gens qui vont dire « Mais pour qui je crois Rodriguez ?» J'ai pas dit la fin des gilets jaunes, j'ai dit la fin d'un cycle. Et qui dit la fin d'un cycle dit qu'aujourd'hui on doit s'asseoir, discuter, trouver une solution pour pouvoir uniformiser le discours, pouvoir se faire entendre en premier, parce que ce soit Macron ou un autre pouvoir, on se devra de rester vigilant, parce que les uns ne valent pas les autres et les autres ne valent pas les uns. Nous sommes aujourd'hui garants de ce combat, de cette liberté. Nous sommes garants aujourd'hui d'installer le mieux vivre en France, le respect de l'ensemble des citoyens vivant en France. Alors je vous souhaite à tous encore du courage, de la motivation, de la détermination, et réfléchissez-y. Dans 2 semaines, il va falloir prendre des décisions, et prendre des bonnes décisions, pour peut-être enfin être entendu et faire bouger les choses. Je rappelle que la majorité d'entre nous, on souhaite avoir une table, des chaises, et que chaque partie des citoyens vivant en France, les vieux, les jeunes, les femmes, les hommes, les handicapés, ceux qui ne le sont pas, les noirs, les blancs, les arabes, et tous ceux aujourd'hui qui construisent la France, de pouvoir poser sur la table ce dont on doit parler pour améliorer notre quotidien. Ouais. Une dernière question, Philippe.
serait grand temps qu'on justifie de toutes ces taxes qu'on nous prend et de toute la misère qu'on crée avec. Soyez forts, soyez courageux, je compte sur vous. Ouais.